Événement ce vendredi 17 mars à 21h sur France 2 avec la diffusion de la Der des Der, un épisode inédit de la série Capitaine Marlowe dans lequel la flic, incarnée par Corinne Maciero, va devoir enquêter sur la mort de Philippe Wagner, un féru de reconstitution de bataille napoléonienne grandeur nature tué lors d'un duel. Le meurtre a été filmé par le fils de la victime et CIST Paul Vignelli, un célèbre avocat interprété par Yvan Attal, qui semble avoir tiré la balle. À l'occasion de cette diffusion, Téléstar vous propose de plonger dans les coulisses de cet épisode inédit et de découvrir notamment où il a été tourné. Le tournage de la Der des Der, épisode 7 de la saison 4 de Capitaine Marlowe, a été réalisé en mai dernier dans les Yvelines, en banlieue parisienne. Dans cet épisode, Corinne Maciero donne donc la réplique à Yvan Attal mais aussi à Amira Khazar. Des invités de renom qui étonnent toujours la comédienne. Je suis toujours surprise par le casting Capitaine Marlowe. José, Dayan, la créatrice et réalisatrice de la série, note de la rédaction, m'a fait des cadeaux incroyables. J'ai pu jouer avec Jean-Pierre Mariel, Isabelle Adjani, Catherine Ringer et Rita Mitsouko, Mireille Perrier, Charles-Élie Couture. Quand j'ai su qu'il y avait Yvan Attal dans l'épisode de ce soir, pareil, j'étais un peu scotché. Sur le tournage, on a bien rigolé, explique-t-elle dans les colonnes de nos confrères de Télé 7 jours. Capitaine Marlowe, quelle audience pour l'épisode inédit du 17 mars ? Véritable phénomène de la télévision, la série Capitaine Marlowe réussit des scores d'audience exceptionnels à chacune de ses diffusions. Depuis octobre 2017, la fiction a toujours dépassé la barre des 6 millions de téléspectateurs avec un épisode inédit. Ce vendredi 17 mars, cela devrait, une nouvelle fois, être le cas même si la concurrence est rude avec notamment le prime inédit du Palmachot sur TF1.